J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit haul de ma dernière commande sur iHerb. C'est un site que j'affectionne tout particulièrement. Il me semble que c'est d'ailleurs grâce à Elsa Makeup que je l'avais découvert et après à beaucoup d'autres youtubeuses françaises. Alors je vais commencer tout de suite avec les petits achats que j'ai faits. Donc je vais commencer par ce qui n'est pas de la beauté pour qu'on passe ça rapidement. Alors je vais faire un petit disclaimer de suite. Je sais que ça peut porter à débat. J'achète des compléments alimentaires sur le site iHerb. Ce ne sont pas des compléments alimentaires qui m'ont été prescrits par un médecin. Ce sont des. J'ai fait mes petites recherches personnelles. Je vais faire ma petite chimie. Je sais que je regarde énormément les avis qui sont sur le site. Je regarde vraiment bien les composants pour être sûre de ne pas me retrouver à m'intoxiquer, évidemment. Et bien évidemment, loin de moi l'idée de vous les conseiller sans avis médical. J'ai hésité pendant un petit moment à le partager avec vous parce que j'avais peur que justement ça porte à confusion, qu'on croit que je suis médecin alors que je ne suis pas du tout. Donc je voulais en fait vous les présenter parce que je sais que malheureusement les compléments alimentaires peuvent vite revenir chers dans beaucoup d'endroits. Et moi je sais que voilà, je les ai trouvés pas chers, ils sont efficaces, il n'y a pas de saleté dedans. Donc je vous les présente justement pour vous dire qu'il y a une alternative au niveau du prix aux compléments alimentaires qu'on peut trouver un peu partout. Donc je vais commencer, donc à savoir que j'ai passé deux commandes sur le site. Je vous réexpliquerai par la suite le pourquoi j'en ai passé deux et pas une, parce que je vais vous expliquer ça par rapport à tout ce qui est frais de port, frais de douane et compagnie. Donc pour les deux commandes que j'ai passées, je vais vous les présenter ensemble parce qu'en fait je les ai vraiment reçues à deux jours d'intervalle. Donc je m'étais commandé des compléments alimentaires, donc c'est un petit peu dégueu je dois bien l'avouer. C'est de l'huile de poisson, donc en fait ce sont des grosses gélules comme ceci, voilà. Donc c'est 1000 mg d'huile de poisson. C'est censé être bon pour tout ce qui est la santé du cœur et pour la santé de la tête, de l'esprit, du cerveau, tout ça, de la mémoire. Alors à savoir que je voulais également en prendre parce que même si je recommence à manger du poisson, je sais que je pense ne pas en manger autant que les personnes qui ont vraiment une alimentation totalement variée. Donc je voulais tester ça. Ce sont 120 caps, c'est un gros flacon de 120 gélules molles, là vous savez, des gélules qui se dissolvent complètement dans la tube digestive. Ensuite j'ai pris un énorme flacon de vitamine D3, donc c'est les 1000 UI, donc c'est on va dire un juste milieu au niveau du dosage. Ça aide au niveau des os, du système immunitaire et au niveau de la poitrine et du côlon, de la santé de la poitrine et du côlon. Bref, pas forcément le truc le plus glamour, mais effectivement la vitamine D3, sachez-le, c'est une vitamine qui aide vos os à absorber le calcium. Donc c'est pour ça qu'il faut que c'est bien d'en avoir. Alors à savoir que même dans les zones les plus ensoleillées, donc moi sachant que j'habite en Corse, vous me dites pourquoi tu en prends, tu ne devrais pas être carencé. À savoir que même dans les zones les plus ensoleillées du monde, liées à notre rythme de vie, avec notre rythme de vie de plus en plus sédentaire, avec nos emplois de plus en plus en intérieur, ça n'aide pas justement à aller prendre notre dose de soleil par jour, qui permet d'avoir notre production de vitamine D nécessaire. À savoir que normalement, c'est minimum une vingtaine de minutes exposées sans protection solaire, en évitant évidemment les heures d'ensoleillement les pires, donc entre midi et 2h, et entre 14 et 16 pour le reste de l'année, vu qu'on est décalé. Donc voilà, pourquoi je prends ça. C'est un flacon de 500 tablettes. Donc à savoir que par contre là, pour le coup, ce sont des tout petits cachets. Voilà, ça ressemble à ceci. Donc c'est vraiment tout minuscule. Ensuite, j'ai commandé un flacon de zinc. Donc pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le zinc aide dans tout ce qui est problème de boutons, d'acné et tout ça, puisque ça aide à purifier la peau. Donc c'est un flacon de 110 tablettes et c'est 50 mg. Donc à savoir que pour les personnes qui sont sensibles au niveau du transit intestinal ou de la digestion, il se peut que ça vous perturbe un petit peu parce qu'apparemment le zinc est réputé pour ça. Moi je sais que j'ai pris 50 mg, ça reste une dose correcte mais vraiment loin d'être trop.
Voilà, moi je sais que je l'ai pris justement par rapport à un problème de bouton. Vous l'avez vu à plusieurs reprises quand je suis démaquillée avant mes tutos, que j'ai des gros soucis de boutons au niveau de la mâchoire. Je sais que c'est lié principalement à mon alimentation, puisque au niveau de l'hygiène j'ai ce qu'il faut et apparemment je n'ai pas de dérèglement hormonal. Donc je vais tester ça, ça ne peut pas faire de mal. On verra bien sur la durée. Et ensuite je me suis pris 4 flacons comme ça, de magnésium 250 mg. Je sais 4 flacons, vous allez me demander pourquoi, parce que c'est des flacons de 110 tablettes. C'est juste qu'ils étaient pas chers du tout, qu'à partir du moment où vous achetez 3 flacons ou plus de la même taille, vous avez une petite réduction supplémentaire. Et que de toute façon le magnésium j'en prends tout le temps, parce qu'ayant des problèmes de fatigue oculaire régulière, quand je commence à avoir l'œil qui tape, ça me rend dingue. Et je sais que c'est souvent lié à un manque de magnésium, donc ça peut pas faire de mal. Et étant donné que je prends de la vitamine D, apparemment faire une cure de magnésium en même temps que vous prenez une cure de vitamine D, ça aide à l'absorption de la vitamine D. Bref, on va y arriver. Et ensuite, dernier flacon que je me suis commandé, c'est un gros pot de vitamine C. C'est les vitamines C, donc c'est 1 gramme, 1000 mg. De toute façon, je veux dire de plus, à part que la vitamine C, c'est fait pour aider le système immunitaire. C'est bon pour la peau aussi, pour tout ce qui est problème de taches et autres. Et à savoir que celui-ci, c'est sans gluten, sans blé, sans lait, et c'est adapté pour les personnes végétariennes. Donc, je veux dire de plus, il n'y a pas de sucre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas de sucre, pas de soja, pas de levure, pas de sodium, pas de saveur artificielle, pas d'agent sucrant, pas de conservateur ni colorant. Donc pour vous donner une idée, ce sont des grosses tablettes. Comme ça, ça ressemble aux tablettes de paracétamol générique que vous achetez en pharmacie. Voilà, donc ça, c'en est tout pour tout ce qui est complément alimentaire. Et ensuite, j'ai pris deux petites choses, enfin, trois choses, pardon, qui sont relatives à la beauté. Donc tout d'abord, j'ai pris un grand flacon de 355 ml de Witch Hazel. Donc c'est, de mémoire, sans vous dire de bêtises, la Witch Hazel, normalement, c'est le nom anglais pour l'amamélis. Et en fait, c'est la marque Tyers. Donc sachant que j'avais déjà testé cette version, enfin cette Witch Hazel, mais en version à la rose sans alcool, là j'ai voulu tester la formule originale sans alcool, donc c'est celle qui a l'aloe vera. Donc à savoir que je l'ai commandée parce que vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Je sais qu'elle est très bien en tant que lotion pour resserrer les pores et pour nettoyer le visage. Ça pique pas du tout. Celle-ci, on verra, je ne l'ai pas encore testée comme vous pouvez le voir, puisque ça en fait c'est le truc de sécurité voilà, en plastique. Ça va nettoyer, tonifier et ça va vous laisser la peau rafraîchie. Donc il n'y a pas d'alcool, pas de parabène, pas de phtalate. Ça va hydrater et nettoyer votre peau. Voilà, il n'y a rien de mauvais dedans. Et en fait je l'ai commandé également parce que j'ai trouvé plein de petites recettes sur Pinterest utilisant de la Witch Hazel pour se faire des déodorants, pour plein de petites choses de la vie du quotidien. Donc j'avais bien envie de tester, donc j'ai pris une version neutre à l'aloe vera parce que je voulais pas qu'il y ait de lavande ou de rose qui viennent perturber les odeurs, puisque je compte quand même l'additionner d'autres huiles essentielles, donc pour pas que ça vienne mélanger et que ça fasse des odeurs un peu bizarres, j'en voulais une neutre. Donc là je vous en avais parlé sur Instagram, puisqu'il y avait moins 20% sur toute la beauté, donc j'en ai profité pour me commander deux petites choses de chez Real Techniques. Donc j'en avais jamais entendu parler, je l'ai découvert sur le site. C'est en fait un nettoyant pour pinceau, donc je vais voir avec vous, parce que j'ai toujours pas ouvert justement pour pouvoir vous faire la vidéo et vous montrer le packaging tout fermé. En fait c'est un flacon de 150 ml, et en fait c'est un flacon de nettoyant pour pinceau, mais vous savez c'est un espèce de... en fait c'est un shampoing pour pinceau. Donc j'ai même pas encore ouvert pour sentir l'odeur. Ça sent bon. J'ai l'impression que ça sent le fruit un petit peu. Ouais, on dirait que ça sent un petit peu le style framboise ou un truc comme ça. Ça sent très bon. On verra bien ce que ça donne sur les pinceaux. Je vous en redirai des nouvelles, bien évidemment. Et ensuite, je me suis commandé ce petit paquet collector. Donc, vous avez... donc, c'est ce qu'ils appellent le sculpting set. Donc, normalement, je pense, comme son nom l'indique, le kit contouring. Où vous avez en fait le pinceau sculptant. Vous savez, c'est le pinceau qui est biseauté. Le pinceau éventail. Donc, j'avais envie de tester en fait...
pour... Parce qu'en fait au début je comptais me prendre, je voulais prendre le kit uniquement pour celle-ci. J'avais vu qu'elle était vendue seule et finalement elle était moins 20%. Ça revenait moins cher de prendre tout le kit. Ça c'était quoi? Peut-être 1€ ou 2€ plus cher que de prendre la brosse, enfin le pinceau seul. Et du coup vous aviez deux autres pinceaux. Donc à savoir que celui qui est ici, juste là sur le côté, c'est la setting brush que j'ai déjà et que j'adore. Donc je me suis dit ça coûte rien d'en avoir une deuxième. Et je voulais tester le pinceau éventail, puisque le premier que j'ai testé pour l'instant et le seul, c'est celui du kit de pinceau Goldmine Kit d'Elsa Makeup. Donc on verra bien. Et je voulais absolument le pinceau sculptant pour le contouring, pour tester, pour voir ce que ça donnait. Donc le pinceau sculptant, comme vous pouvez le voir, c'est un pinceau qui est biseauté. C'est un pinceau qui est tout fin, donc avec des poils très denses. J'ai hâte de tester ça pour le contouring. Donc ça risque d'être très sympathique. Je sais que je l'ai vu dans plein de vidéos et c'est bien pour ça qu'il m'a bien plu. Hop, ensuite le petit pinceau éventail. Celui-là, il est bien parce qu'il est tout doux. Mais par contre j'ai l'impression qu'il est vraiment ultra fin. On verra l'utilisation, ce qu'il donne par rapport à celui d'Elsa Makeup. Après il est joli, hein, il est tout rose et tout girly, bien métallisé. Et puis celui-ci, hein, ça ne change pas, c'est le setting brush qui est génial pour poudrer le dessous de l'œil ou appliquer de l'highlighter également, et pour appliquer la poudre de manière très précise. Il est vraiment génial, comme tous les pinceaux Real Techniques, il est super doux. Bref, que dire de plus? Donc à savoir que par commande vous avez le droit à une dose d'essai, donc à savoir que chaque dose d'essai n'est commandable qu'une seule fois pendant toute votre vie entre guillemets de client iHerb. Et donc en fait je me suis commandé, vu que j'ai fait deux commandes, j'ai pris en petit format voyage le shampoing et l'après-shampoing des essences à la noix de coco. Ça fait très longtemps que j'ai envie de les tester, j'en ai entendu du bien, du moins bien. J'avais vraiment envie de les tester, donc là ce sont deux petits formats de 44 ml, donc l'équivalent de 50 ml français à peu près, on va dire des formats standards d'échantillons. J'avais bien envie de les tester, c'est spécifique pour les cheveux secs, donc mon type de cheveux, en plus ça sent la noix de coco. C'est sans parabènes, sans sulfate, sans phtalate, sans colorant artificiel, sans silicone, sans glycol ni ingrédients provenant du pétrole, non testé sur les animaux et formule biodégradable, et c'est sans phosphate. Pareil pour le shampoing et l'après-shampoing. Donc on va voir, je sais pas si... Ouf, ça sent top de bon. Ah oui, hein. Ah oui. Je sens que ça va être un plaisir à utiliser. On verra ce que ça donne sur les cheveux. J'ai entendu dire qu'il y avait certaines personnes qui le trouvaient, qui faisaient les cheveux un peu gras. Alors je sais plus si c'était les shampoings ou les soins qui vont après. Bref, on verra. Je les ai pris en petit format avec un tarif réduit. Je vais pas cracher dessus. Ça m'a permis vraiment de les tester. On verra bien ce que ça donne. Donc dernier produit que j'avais pris dans ma commande également, c'est le format 444 ml. D'huile de coco, donc c'est un petit pot où vous allez avoir l'opercule de sécurité toujours. Donc ça c'est une huile de coco vierge, donc qui n'a pas été chauffée ni rien. C'est végétalien, sans OGM, pas d'acide gras saturé, pas d'acide gras trans pardon. Le flacon, même si c'est du plastique, c'est sans BPA. Non hydrogéné, bref, vraiment bien, j'utilise pour tout. Voilà, l'huile de coco c'est aussi bien pour faire des bains d'huile que pour se nourrir la peau, que pour me démaquiller ou pour la cuisine. Donc d'habitude j'utilise ce grand, enfin je commande ce grand flacon là, qui est donc en fait le format double, 858 ml. Mais cette fois-ci on est pour des raisons de poids et de prix, parce que bon mine de rien je crois que je paye un peu plus de 20€ le gros flacon comme ça, et j'ai dû le payer 12-13€ celui-ci. J'avais pas non plus les sous à ce moment-là pour le faire, et surtout au niveau du poids quoi, parce que bon mine de rien ça pèse hein, quand vous commandez ça. Voilà, ça c'était le dernier produit de ma commande. Voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous retrouve dans une deuxième partie pour vous présenter, on va dire, mes must-have de iHerb, et également vous donner un peu toutes les petites astuces pour commander sur le site, pour pas vous retrouver avec des frais de douane ou vous retrouver avec votre colis. Et n'oubliez pas évidemment de faire un petit tour en barre d'infos. Je vous aurai mis mon code promo perso pour avoir 5$ de réduction sur votre première commande.
N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner en cliquant juste là ou sous ma tête. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait hyper plaisir. Évidemment, c'est gratuit, c'est juste pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Tout le maquillage que je porte sera listé en barre d'infos. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon blog, il y aura ma wishlist de mars qui sera en ligne. Évidemment, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et maintenant Snapchat. Je vous aurai mon pseudo en barre d'infos. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao !